Mais c'était rigolo de... Enfin rigolo, c'est pas très drôle le nom. Mais l'idée que lui qui a fait des prisons, tout d'un coup avait du mal maintenant à y rentrer. Un café pour la 37. Quand on a tourné en prison, parce que mon film donc raconte une femme qui se marie en prison, et donc il a fallu faire la scène du mariage. Dans le film joue un acteur qui n'est pas un acteur professionnel, qui s'appelle Jean-Claude Poteau, qui lui a déjà fait 15 ans de prison et qui s'est évadé d'une prison à Lyon. Et en fait, le jour du tournage, la jeune femme très très sympathique qui nous a permis de tourner dans la prison est venue me voir un peu paniquée en me disant « Mais vous ne m'aviez pas dit que c'était Jean-Claude Poteau qui allait venir ?» Et je me suis rendu compte qu'elle a dû penser que peut-être le tournage était un faux tournage et que c'était peut-être une tentative d'évasion déguisée ou un truc comme ça. Et à un moment donné, c'est lui qui me donne des instructions parce que dans le film, je joue un personnage qui ne sait pas jouer la comédie alors que lui dit, bah, enfin c'est simple quand même ce qu'on te demande de faire. Et donc il se met à me diriger, ouais, donc ça c'est rigolo. Je le mettais en scène, on lui demandait de m'en mettre en scène, ouais c'est ça.